mon plan, les gars. Vous voulez que je vous dise ça? C'est quoi ma stratégie? Je le laisse me mettre en low kick, je tombe par terre. Ça filme ou pas? Ah, totalement, mec. Ok. Le combat là. Écoute, moi je suis bien, je suis prêt. Ok, ça fait combien de temps que tu es sur la boxe? Bah écoute, la boxe au total, ça fait 6 ans, 7 ans, 7 ans. C'est ma 7e année là, donc on a commencé avec du Sanda classique. D'accord. Et depuis l'année passée, on s'est passé de voir autre chose, quoi, tu vois, de voir quelque chose de plus intéressant. Le K1, là où ça tape, tu vois. Est-ce que tu peux me donner tes titres à ce jour? Bon, bah écoute, l'année passée, on commence directement avec le K1, championnat du monde XFC. Je prends la ceinture, tu vois. Lourd. Face à un gars qui a été expérimenté, donc ça rend fier, quoi, tu vois, et de se dire, tiens, je rentre direct dans le truc et ça marche bien. Sinon, en dehors de ça, bah, on a fait quelques compétences en DA, donc il y a l'Open Nordique de Suède, je suis pris aussi. Et après, il y a les championnats d'Île-de-France et de France, et ça, on n'en parle même pas. Quoi, tu comprends en quelle catégorie exactement? Quelle catégorie? Bah, en Sanda, j'ai fait plusieurs catégories. J'ai commencé en moins de 70, et après, j'ai évolué chez les moins de 75. Et là, en K1, bah, aujourd'hui, je vais combattre en moins de 71 kilos. Là où ça tape et là où il y a du monde, quoi, tu vois, il y a de gros clients. C'est quel niveau ce soir? En pro. Combat pro. 6 ans de pratique pour le gars, ça fait 6 ans qu'il est pro plutôt. D'accord. Donc, et toi du coup? Cette année c'est le premier combat sous... En vrai pro, en vrai non pro. D'accord. Pour ce soir, tu te sens à l'aise? Écoute, je me suis entraîné comme il se devait. Je t'avoue que ces derniers temps, ça a été dur entre le boulot et les entraînements. Donc entraînement, il est à peu près 6 fois par semaine, 7 fois même pour te dire. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi, tu vois. C'est le travail paye, donc avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, normalement, ça va faire, quoi, tu vois. Ok, ça marche. Ça va pour le moment. Tu te sens comment? Il n'y a pas de petit stress, il n'y a pas le petit truc là, qui te pince, mon cœur, c'est pas encore là pour le moment. Donc on essaie de prendre la température. Mais d'abord, il faut que je passe la pesée et que je mange surtout. Le plus important. Pour la dalle. Et après, je commencerai à réfléchir davantage à ce soir-là. Tu vois, mais ça va pour le moment, c'est cool. Ok, t'as l'air un peu fatigué, ça va ou? Ouais, franchement, le voyage, il a été long. On dort mais par intermittence, donc ouais. Et en plus un sale régime à côté pour être au point. Ah t'es obligé. Ok. Ça fatigue un peu, tu vois, ou pas? Ça marche, pas de soucis, bon, on se revoit tout à l'heure, ok? Avec plaisir. Yes. Bon Chris, on est sur quoi là? Là on va passer à la pesée. Ouais. Donc le moment qu'on attendait depuis très longtemps. Ouais. Parce qu'après faut aller manger. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Il y a tout le monde qui est avant. Ah ouais. On n'est pas encore sorti. Ah t'inquiète, pas pour longtemps encore. Ouais. Yes. D'ici une demi-heure, ça devrait le faire. Très bien. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm dropping, grinding. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. Don't react, no react. Think I'm black, off his ass. While I'm rap, got the step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than... Qu'est-ce qui se passe pas là?
y a deux, trois petits soucis de paperasse, hein. Toujours des problèmes de papier. En France. Il paraît qu'on cherche des immigrés. Ok, c'est cool. Allez, remplis-moi ça maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bon, ouais, ça récupère. Merci. 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 I'm ready for the shows, how it goes, I don't know. But I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go. All these people wanna know what you think. T'es fatigué ou quoi? Ouais, ça ira pour ce soir. On va aller manger. C'est ce que t'attends depuis tout à l'heure. Mec, ça fait 10 ans que j'attends d'aller manger, tu vois. Ouais, Chris. Ouais, mec. Ça va ou quoi? Écoute, je te sens assez pressé là. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Là, c'est le moment de dégustation. Ok. Bon, ça va la. Comment ça s'appelle? La pesée s'est bien passée? Je suis passé large au poids. Ouais. J'ai un combattant qui est en train de se faire. Ouais, il est à combien? Je crois que maintenant, lui, il est à 72,4, un truc comme ça. C'est ça, donc il va aller 1,8 kg de plus que moi. D'accord. Okay. C'est pas grave. Ouais, exactement. Il y a Pierre, toi, tu vois. Mais pour le moment, on va manger. T'as pas mangé depuis quand? C'est depuis hier soir que j'ai pas mangé, quoi, tu vois. D'accord, et là, il est 17h30. Un jour à peu près, quoi, tu vois. Ok. Le dernier repas, c'était hier à midi. D'accord, ok. Et puis pour l'eau, etc., c'est pareil. Voilà. Ok, ça marche. Bah, tu sais quoi, on va te laisser aller manger et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure, mec. Yes. I just fucking grab it, I am never static. Massively active, expanding, bachelor, planning to have it. So I'ma go capture it and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it, put them on blasting. They will never last it, don't be so dramatic. Not my demographic, this shit is democratic. They won't affect, yeah, bitch. Thank you.
Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too tech. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remembers me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting with a forgotten soul, so stop dropping roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not blind. I'm sold, my stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, get home and shit. Knock, get close, I ain't stopping though. It's hip hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping tone, no, my pocket's grown. You can't stop the show. Toi, lourd, merci. It's a with objection too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. Bon alors Chris, ce combat. Moi je me sentais bien. Moi je suis rentré, je me sentais bien. Bien avant quand même, tu vois, il y avait la petite appréhension parce que c'est un gars, on regarde sur le net, ça fait 6 ans qu'il est passé pro, en caravane, etc. Tu vois. Donc forcément ça met un peu la pression. Quoi. Tu dis tiens moi j'ai des buts dans le truc, donc on va voir quoi, tu vois. Après c'était un beau challenge. Pendant ça le truc c'était un beau challenge. Et sur le ring, bah, ça a parlé, tu vois, donc on est parti. J'ai deux bras, deux jambes, il a deux bras, deux jambes, on est des guerriers tous les deux, on se met quoi, tu vois. Sur le ring, donc je me sentais bien, je suis rentré dans le truc, quoi, tu vois. Genre, j'avais ma petite musique et tout ça, mon rythme dans la tête, etc. Je me sentais déjà bien, quoi. Et je m'attendais à ce qu'il se tape fort, surtout sur ses jambes, tu vois. Je m'attendais à des lignes hautes. Il a commencé avec son vide de l'avant, je m'attendais à l'arrière, mais il y a eu l'avant, c'est pas grave, tranquille, tu vois. Donc j'ai réussi à le dire. Il était bien lisible, donc après j'ai travaillé comme moi je le sentais, tu vois. Mais c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Si j'étais un peu plus posé peut-être, etc. J'aurais pu mieux terminer la chose. Mais on apprend, quoi, tu vois. Pas très longtemps, mais j'apprends. Au moment, un vaincu en K1 et j'espère que ça va le rester jusqu'à la fin de la carrière. Ok, c'est cool. Et puis concernant le Sanda, c'est comment? Le Sanda, bah, cette année, ça va être ma dernière année. D'accord. Genre, donc là, ça fait 6-7 ans à peu près que je pratique le Sanda. Et je t'avoue que ne pas partir avec le titre suprême, et bah, ça me dérange un petit peu. Il y a l'ego qui est un peu touché. Donc, j'ai envie de terminer en beauté cette année. Hein, surtout que j'ai un adversaire qui m'a battu 3 fois. Le 3-0, ça me reste en travers de la gorge. Donc, cette année, c'est mon année. Tu vois pas? Ok. Je vais finir en beauté cette année avec le Sanda. Et après, on passe à autre chose. On grandit. Ok, c'est cool. Je te remercie, Christian. Bon, apparemment, vous êtes de la route, donc je te laisse. Y a pas de quoi. À bientôt.